Yo les gars, c'est Herbie, bien le bonsoir et bienvenue pour l'épisode 2 de cette aventure au level maximum avec le kitsune de base, donc le nouveau tout pro avec le kitsune. Je viens de dire, nous sommes prêts, nous sommes partis, c'est parti, arrivé deuxième monde, nous sommes tout juste level 700. On a quelques points d'ailleurs à ajouter, je ne sais trop où. Ok, actuellement on mettait encore tout dans le fruit du démon. On peut commencer peut-être par la toute première task. Notre kitsune est bientôt masterie 300, on va peut-être pouvoir bientôt se transformer du coup avec ce fameux fruit du démon. Et c'est vrai que les gars, ça fait longtemps que je ne me suis pas reconnecté au compte et c'est vrai que là Holiday Count. Oh là 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 là. Ça, c'est un banger. Et c'est parti pour la toute première task. Let's go. Hop là. Oh non, les damage de fou là du kitsune. Oh, en légende. Oh là 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 là. En légende, les damage. Moi, je vous le dis, les gars. Hop, 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 hop. Et là, on fait le petit X. Et c'est terminé. Mais ça one shot ce fruit du démon. Oh là, comment c'est trop. Ok. Est-ce qu'on attend qu'il respawn? Oh, attendez. Venez, on va aller de l'autre côté pour directement speedrun au taquet la quête. Apparemment, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de stamina. Peut-être un peu le truc qui manque là dans mon build. Ok, et là bam bam bam, et là toi aussi bam bam bam, CX, hop là, terminé. On passe le level, plus de stamina, la stamina et régène, et on continue à tout mettre dans nos sets de fruits du démon. Et c'est parti, ça continue à farm les gars. J'ai continué à pas mal bien farm, mais j'ai une plutôt très bonne nouvelle, c'est radé les masteries de mon kitsune. On arrive bientôt du coup mastery 300 et je pense que ça devrait passer sur ceux là. Je crois qu'il donne 50 000 XP. ouais, ok, ça devrait passer juste sur les deux là, juste ici. On va pouvoir avoir notre toute première transformation du kitsune. Let's go, transformation, ça part. Oh là 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 là. Oh ya 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 ya. Oh le kitsune. Oh combo, il est méchant. Oh là là, let's go. Les clics sont encore plus forts, j'imagine, du coup. On va faire le test, les gars. Là, je mets genre du... Attendez, ouais, ça fait des damage en plus. On est à du 1354. Et là, on a combien? Ouais, ok, ok. Et 1282. Ok, ouais, donc il y a quand même une différence sur les clics. Les clics font effectivement plus de damage en mode transformé. Oh là là, c'est vraiment une dinguerie. En plus, j'ai l'impression qu'on a encore plus de range en mode transformé, les gars. C'est... Oh là là, non, mais regardez-moi ça. Oh, yo, yo, yo. Oh, le beau kitsune. Ça faisait longtemps, je faisais que de le jouer, du coup. Sans avoir la transformation. Et là maintenant on a eu la transformation, donc maintenant on est de toute beauté. Et vous savez quoi, pour tester la transformation, pour être sûr qu'elle fonctionne bien, les bien, on va prendre la task de Jérémy qui est level 850. Ok, bah on va la prendre après. Il fait le T-Rex, il est en légende les gars. Bon, c'est bon, on peut faire du coup Jérémy maintenant que j'ai le level pour le faire. Je suis level 856, il fait jour en plus, c'est parfait. La quête de Jérémy, elle est prise. C'est parti, let's go, monte tout en haut, ça part de là. En vrai, non, on va pas faire Jérémy. Pourquoi? Parce que on va tout simplement faire la quête au petit café là-bas. Il va falloir qu'on kill les 850 soins de pirates. Et après, il va falloir qu'on fasse Jérémy. Donc en vrai, autant... Oh, bah, on passe par la porte. Donc autant faire la petite tasse. Wesh, comment je suis recherché de zinzin? Allez, je suis en légende. Comment de bounty? Ah ça, je graine les bounty là, en légende. Ok, on confirme la quête. Avec cette quête, au moins, on va pouvoir faire nos V2. Donc il nous la faut obligatoirement. Et c'est notre D3, je crois. Ou V2, peut-être c'est aussi la V2. Donc c'est parti, go battre 50 soins de pirates pour 35 millions d'XP. C'est pas mal, mais ça va être un petit peu long, mais ça part. On a bien farm, les gars. Il en reste plus que. Hop, hop, hop. Voilà, wow. C'est bon. C'était kill. On a maintenant terminé la quête. Ok, elle nous fait vraiment passer en plus pas mal de level comme prévu. Ok, ok, ça c'est en légende. Et go reparler à Bartilo. Ok, du coup, Bartilo, on lui reparle. Ok, et là, normalement, il est censé nous dire bien joué. Maintenant, va trouver Jérémy et Baleux. C'est parti, ok, ça part. Et là, du coup, normalement, on va pouvoir prendre notre fameuse task, les gars. Donc, on va pouvoir prendre la quête de Jérémy et faire double XP. C'est plus rentable comme ça que ce que j'étais en train de faire tout à l'heure. Ok, c'est bon, la quête a été prise, on monte en haut, ça part, j'arrive Jérémy. En plus, attends, on a quelques stats à rajouter. Par contre, faut que je fasse gaffe parce qu'à tout moment, il peut vraiment genre me one-shot. Donc, ce serait cool. J'aimerais bien éviter le calvaire, le massacre à ce point-là. Oh, les damage. Oh là là, les damage. Oh là là, mais c'est trop. Oh, mais les damage, il peut pas bouger. Il peut pas bouger, c'est une dinguerie. Oh, merde. Oh, merde. Oh merde, oh, j'ai plus rien. Ok, let's go, t'as été battu. Ah, tu m'as battu. Non, maintenant tu parles. Ok, très bien. Alors, soin pirate, I've been riding a friend that my fighter always win. When you find Master Swan, tell him I have failed him. Ok, là, belle bien, on a perdu sa mission. On va descendre et on va lui reparler. Ok, on reprend la task, on lui reparle. Je sais pas s'il faut lui reparler une deuxième fois. D'ailleurs, j'ai caché le petit chrono. Il y avait le chrono en bas à droite, les gars, c'est normal, vous inquiétez pas. Trois fois rien. C'est parti, on remonte en haut. Et là, normalement, il faut juste qu'on arrive à se souvenir de ce qu'il y a écrit sur la petite table juste là. Et c'est marqué Y infini CZ MFNB. Y infini CS MFNB. Y infini CS MBFX WCRB. Non, ouais, non, je sais plus. Ok. Bon, j'aurais peut-être dû prendre en screen finalement, les gars. Alors, Y. Je crois que c'est Y, non? Y infini C S. Ah, il y a le S, ok. M, B, F,
N. Non, c'est pas ça. Ok, c'est grave. Y. Fini. J'espère que je me suis fait aller vers la fin, les gars. S. M. N. F. De quoi? Ah, ok, donc Y. Il me l'a écrit dans le chat. Infini. C. Ok, donc elle était pas mal. Z. Ok, donc S. Ouais, c'est pareil. M. Ok, j'étais bien du coup. F. N. C. Ah. C'est pas ce que j'ai fait tout à l'heure. Ok, bon bah my bad, ok let's go. Le Warrior Helmet a été débloqué et un nouveau titre aussi qui a été débloqué. Maintenant, on va pouvoir aller chercher notre petite plantation. Donc c'est parti, go chercher les petites fleurs. Ok, c'est parti, on parle à l'alchimie juste ici. Oui, 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 bonjour, bonjour. Effectivement, t'as bien raison, j'ai pas atteint mon max potentiel. C'est parti, on va aller chercher du coup ces petites fleurs. Est-ce qu'on va trouver la rouge assez rapidement? Est-ce que la rouge, elle est là? Non, ok, elle est pas là. Elle doit être du coup chez Dofi, entre le pont ou sur le petit camembert. Ça part, j'arrive. À moins que c'est à pleine lune. Vas-y, attendez, go, on va chercher la blue avant. Ah, voilà, ok, c'est bon, nickel. Première fleur de trouver, la fleur bleue du coup a été trouvée. Ça, c'est nickel. Partons maintenant aller chercher la petite fleur rouge. Ah, attendez, on va pouvoir se téléporter comme ceci, juste ici. C'est parti, fleur rouge. Est-ce que. Ouais, prononcer que les gars, je le dis, elle est entre le. Ah, je vais me transformer. Mais elle est entre le pont. Attends, on va vite tabasser un petit NPC là. Hop, hop, hop. Voilà, nickel. Transformation, ça part. Et moi, je dis, elle est entre le pont juste là. Non, ici, là. Non, elle y est pas. Elle est pas dans mon pronostic, il était faux. Bon, c'est pas grave. On va monter en haut. Peut-être elle est en haut. Si elle est pas en haut, j'ai une idée de où est-ce qu'elle peut être. Parce qu'il ne reste plus qu'un seul spawn. Non, elle est là. Ok, let's go. On prend du coup la petite fleur rouge comme ceci. Du coup, elle est. Aïe, attendez. Elle est prise. Voilà. Donc les deux sont prises. Et là, maintenant, on va pouvoir refaire la petite task pour la fleur jaune et avoir la dernière fleur. Et donc passer en V2. Ce qui va nous permettre de courir deux fois. Ce qui va du coup nous permettre de pouvoir courir deux fois plus rapidement. Et ça va être un petit bonheur, les gars. Est-ce qu'on va réussir à la drop directement, genre sur les premiers là qu'on va taper? Ok, donc là déjà on se retransforme comme ceci. Ok, nickel. Viens là toi, viens là toi, et là viens là toi, nickel. Ok, ok, ok. Et là boum. Non, ok, pas de fleur jaune pour le moment. Ouais, ok, bon, c'est un peu sad. Je vais avoir ma fleur. Ouh, let's go. Oui, let's go. Je vais avoir ma fleur. C'est bon, la fleur jaune a été drop, la bleue et la rouge. Maintenant on va pouvoir c'est bon, je peux déjà me retransformer. C'est parti, go donner tout ça à l'alchimiste, comme ça on va pouvoir l'acheter, notre petite V2. Ok, c'est parti, on arrive, on va pouvoir du coup lui parler, talk. Ok, paye, et c'est bon, c'est parfait. Nous sommes à présent Minx V2, donc on va pouvoir courir maintenant bien plus rapidement. Et ça, c'est incroyable avec le kitsune. Et ça, bah du coup, c'est vraiment bénef. Bref, go passer level 1000 pour la V3. Les gars, je crois bien que c'est le moment de enfin passer level 1000. Donc là, il ne reste plus que 3 petits NPC à prendre. Donc là, on est en train de farm sur les petits Vampira Chakira ici. Ok, donc là, on va juste les ramener. Ils sont tous buggés, je comprends pas d'ailleurs. Et c'est bon, le level 1000 est atteint. Let's go. Nouveau titre débloqué, l'aventurier. Oh là 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 là. Donc là, les gars, maintenant, il va nous falloir juste un fruit à 1 million de dollars pour pouvoir faire deux flamingos. Et en faisant du coup Dofi, on va pouvoir faire on va pouvoir faire notre satané V3. Donc c'est parti, il y a quelqu'un sur mon dos, il y a Oden. Et bah je compte bien sur cette personne pour me trade le Quake. Donc c'est parti. Alors j'ai pas beaucoup de fruits du démon, donc je vais pas. Oh bah parfait, je peux lui proposer le magma. Ok, c'est parti, magma pour Quake. Oh là 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 là, le win trade en légende, je vous le dis. Ok, 3, 2, 1, let's go. Merci beaucoup Oden. Merci, on monte du coup directement en haut. On va là. J'ai du mal à monter, voilà, parfait. Alors on va prendre Elfritas dans les mains. Voilà, le fruit est pris. Et voilà, on va lui parler. Oui, 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 oui. Hop, et on lui reparle. Et là, il va nous prendre du coup notre fameux fruit du démon. Ok, give. Et voilà, ok, c'est bon, ça a été give. Là maintenant, on va pouvoir faire du coup tout flamingo. Il se trouve juste là. Oh là là, transformation. C'est parti. Bonne chance de flamingo. Oh non, par contre, on lui fait tellement des dégâts de. Oh là là, mais. Ah! Attendez, je crois pas que. Je crois pas que je suis sorti par le bon endroit. Ok. Mais on lui fait tellement de dégâts. Se rader, les gars, en termes de stats. Je viens de finir mes stats de fruits du démon. J'ai tout mis dedans. Donc, je suis en fait un peu OP. Voilà tout ce qu'on vient de débloquer du coup. Secret NPC Unlocked, nouveau titre, nouveau truc, des bounty. Wow, on a débloqué beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et du coup, Oden, vas-y, tu peux remonter sur mon dos. Ok, parfait, on a récupéré Oden. Et là, du coup, c'est parti, on va aller à l'arbre là-bas et on va pouvoir commencer techniquement notre petite quête pour la Minx V3 qui consiste simplement à récupérer 30 petits coffres. Donc, rien de très, très compliqué à ce niveau-là, techniquement. Et donc là, on va pouvoir parler au petit frère de Ripindra. Pareil, hop, on skip tout ça, hop, hop, hop. Et là, du coup, reparle-moi après avoir pris, du coup, 30 treasure chests. C'est parti, let's go, ça part prendre les 30. Ah bah il y a un factory qui spawn en même temps. Mais du coup c'est bon, les 30 coffres les gars, ils viennent d'être pris. Et là du coup on peut reparler ici. Greeting sir, hop, on peut lui payer du coup. Allez, 2 millions de dollars, ma satané V3. Oh là là, tous les titres qu'on débloque. Ah non, new color, ok, parfait. Et là les gars, j'appuie sur T, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti, let's go. Oh là là, go factory.
Oh là là, ça part à toute berzingue. Et oui, du coup, le level 1000 a été atteint. Et ça, ça c'est magnifique là. Du coup, ça c'est vraiment. Ah, là, je vais passer à travers, mais apparemment, même pas besoin de passer à travers. Et là, c'est parti, on clique. Bon, ça, ça touche jamais. Je comprends pas là pourquoi ça veut jamais cliquer là. Vas-y, prenez-vous ça. Ah là 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 là, qui tenait. Il est trop bugué sur la factory. C'est. Ah, voilà. Bon, on essaie de faire notre maximum. Bref, cassons cette factory. Ok, c'est parti. On arrive à la fin, techniquement. Voilà, nickel. Voilà, ça a été vaincu. Bon, c'est pas moi qui ai eu le truc. On est radioactif mat. Là, il a eu quoi? Il a eu le spring. Je crois que j'ai déjà le spring en plus. Ok, bon. Pas beaucoup de luck sur ça. Bon, continuons à farm du coup. De notre côté, on va bientôt avoir le level pour faire des raids. Mais on n'aura pas besoin de faire des raids parce qu'on a déjà le kitsune. Le kitsune, on n'a pas besoin de la wak par déduction du coup. Pas besoin de faire de raid. Ça, par rapport à ça, c'est nickel. Donc, go farm. Et on arrive bientôt à la troisième mer. Oh là là. En vrai, ça va, c'était pas si lent que ça. Ça va. Les gars, c'est actuellement la pleine lune. Regardez, elle est juste ici. C'est-à-dire que le Shiver, il a spawn. Regardez, le Shiver ran down your spawn. Donc, on va pouvoir l'affronter. Ça se trouve, on va avoir la petite torche. Ça va être incroyable. On a passé d'ailleurs beaucoup de levels. Et on se retrouve 2 mois plus tard. Oui, là, les 10 secondes par avant, c'était il y a 2 mois pour moi. Donc, ça remonte à pas mal de temps. C'est parti, go faire le petit Shiver. Je l'ai jamais fait. J'en sais rien, les gars. Ça donne quoi? Ok, tiens, prends-toi ça. Attendez, juste une fois. Du jeu, ça peut être pas si mal que ça. Ok, c'est parti, let's go. Bon, j'ai 2000 PV. Alors, qu'est-ce que je fais avec si peu de PV? Bon, les gars, vous me connaissez, hein. Moi, j'aime pas trop avoir beaucoup de PV. Ok, ça va. Ah non, mais ça va de quoi en fait? Il vient de me mettre 1000 de dégâts. Ah, c'est pas mal, 1000 de damage. Ok, je vais essayer d'esquiver sa compétence. Ah, je run loin là. Là, je suis loin. Ok, vas-y, viens là. Allez, les gars, vous êtes prêts à voir ma strat? La strat du futur, vous êtes prêts? Ok. Bon, en vrai, ça sert à rien. Ok, ça sert vraiment. Aïe, attends, il est m'attaquer. J'ai peur, les gars, je suis en train de dire. Aïe, ça choque, il me touche même pas. Ok, là, on fait le Z. Là, on fait le X. Ok, j'ai 300 PV. Je crois que je suis low, les bro. Je crois que je suis pas loin de passer à côté de la mort, là. Ok, tiens, prends tout ça. Au moins la moitié de ses PV, les gars. Ok, on y est presque à la moitié. Allez, fais ta compétence. Si, j'essaie de m'approcher. Ah si, faites un combattant. Non, mais j'y vais pile quand il l'a fait. Ouais, il l'a vraiment fait. Fail error. Yes. Ça fait plaisir de voir ces petits messages d'encouragement. Là, on réactive la kill l'armement. Et ça repart, les gars. Bam. Ok, nickel. On a réussi à le toucher. Et là, maintenant, on n'est plus en mode transformé. Donc, ça va être, disons, un petit peu plus différent. Mais j'ai aucune stat ailleurs, les gars. Ah, en mêlée. Attendez, on va y aller. Au coup de poing. Ouais, 500 de dégâts. C'est pas dingue. Mais coup de poing, on va peut-être vite arrêter là ce massacre. Ok. Il reste plus que 80 000 PV. Tiens, prends-toi ça, mon ami. Ok, nice. On court. Non, on l'a fait sortir. Attends. Reste loin de moi, mon bro. Arrête. Je vois dans ses yeux, les gars, qu'il veut me faire des compétences. J'essaie de l'esquiver. Vas-y, fais-toi là. Comment ça, je peux pas l'esquiver, son attaque, là? C'est une dinguerie, là. J'étais censé pouvoir l'esquiver tranquillement. Ok, prends-toi ça. Ok, on a réussi à le combo, les gars. C'est pas mal. J'espère vraiment à la fin que je vais réussir à avoir sa torche, au moins. Parce que là, vu la galère que j'ai eu là pour essayer de le kill. Ok, et là, on se transforme. Ok, incroyable. Ok, c'est pas mal les gars, ce qui est en train de se passer. C'est pas mal pour nous. Ok les gars, j'ai 80 PV. Je suis encore mort quoi. Je crois bien que je suis encore mort. Ok, on réactive la kill l'armement. Et ça repart. Il lui reste plus que 13 000 PV. On devrait largement pouvoir le kill. Hop, et on a débloqué quoi? Non, on a débloqué que des titres, un level up et tout. Mais ni de cap les gars, ni la petite torche qui nous permet d'avoir la race ghoul. Bon, c'est un peu dommage du coup, c'est pas grave. Retournons au petit farming et je pense qu'on se retrouve pour passer en C3. Et oui, c'est déjà dans plus que 123 levels. Les gars, je viens de vaincre Aokiji un instant et regardez ce qu'il vient de me drop. La library case qui va me permettre d'open... pas cette porte? Attends, quoi? Bah... cette porte que... Oui, voilà. Attends, mais je te dis, oui, c'est la clé de la bibliothèque. C'est pas la clé de la Rengoku juste ici. Un jour, je suis assez à l'avoir. J'ai beau farm, les gars. J'arrive pas à avoir la drop, la cave pour la Rengoku. Et du coup, ici, on va pouvoir avoir le nouveau style de combat. Les Dark Step, juste... les Dead Step, plutôt, juste ici. Mais mon style combat, je l'aime bien. En plus, il m'assure rien. C'est plutôt stylé. Donc, pour le moment, je garde mon style combat. On verra bien si on le change ou pas. Mais je suis bien avec pour le moment. Et bref, retournons farmer. Il nous reste plus que 96 levels. Les gars, il est actuellement level 1400. 498, c'est parti pour la toute dernière quête qu'on va pouvoir faire en C2. Pourquoi je suis toujours au château de la neige? Ah, parce que je trouve ça beaucoup mieux de farm ici qu'à l'autre Islande, à Skull, la tête de Kaido. Hop là, on prend tout ça et là du coup on va pouvoir terminer pour la C2 et découvrir l'enfer de la C3. Et ouais, l'enfer de la C3, ça va pas être si simple, hein. Ça va être même un petit peu chantos là-bas. Ça va être plus que long justement de farm ces satanées quêtes. Et on va avoir 1050 levels à passer en C3, ça va être terriblement long les gars, il me reste encore 8 heures de double XP, je sais même pas si j'aurai le temps de tout finir, hein, je vous le dis. On va pouvoir regrouper les 3 derniers juste ici pour terminer en beauté cette petite-ci. Ah, attendez, je suis level 1500, comment ça je peux pas aller encore à la nouvelle zone? Oh, allô,
tu es censé être au level pour pouvoir partir en C3. Faut que je refasse une quête. Ok, très bien. Ça va pouvoir faire une quête. C'est bon. J'ai le droit de partir en C3. Bravo, tu as ta level 1500. Est-ce que tu es prêt à aller dans le prochain monde? Parle au NPC dans le Colosseum. C'est parti directement, les gars. Il est l'heure de faire la quête pour partir en C3. C'est parti. On va pouvoir aller affronter le grand développeur Ripindra. Mais avant, il va falloir qu'on aille parler au gentil MyGame. Le petit MyGame, il est juste ici, les gars. Ok, on va être ensemble pour pouvoir lui parler un petit peu mieux. Bonsoir. Yo, je suis triste. Non, pourquoi? Ok, bon, oui, of course. Oh, ça m'amène directement comme ça. Oh, il est là-bas, les gars. Il est là-bas. Il est incroyable, il est juste ici. Attendez, en vrai, il n'y a pas moyen de prendre un screen ici, là, où je me retransforme en Kitsune. En vrai, c'est incroyable pour la petite Mia, là. C'est magnifique. Sur l'île de Ripindra. C'est bon, les gars, on est transformé. Il est l'heure d'affronter. Il est là, le Krakito. C'est parti, Ripindra. Bonne chance à toi. Ok, hop là, les combos, les gars. Dans full mode YouTube, là, pour que vous voyez tout. Pour que vous voyez le combat. C'est parti. Ok, en full tryhard, les gars. En full tryhard. On va le dégommer. Je crois qu'il m'a toujours pas mis une seule compétence. Ok, c'est bon. Il est passé. En mode pack. Ah, c'est déjà fini. Ah, ok. Bon, bah, c'est parti. On a déjà le droit à la cinématique juste ici. Ok, on désactive le petit. Comment ça s'appelle? Le petit acquis de l'observation. Je vous mets la musique sur les copyrights. Regardez-moi ce beau combat. My Game versus Ripindra. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'était bien animé. Et les Yuru, elles sont même pas rework encore. Bah, elles ont toujours l'ancien esthétique. La petite Yuru en V3 versus la Yuru en V2. My Game versus Ripindra. Non, My Game, il s'est fait toucher, les gars. C'est la fin. La Yuru tombe au sol. Oh là, je l'ai tellement vu de fois cette cinématique. Mais ça remonte à longtemps la dernière fois quand même que je l'ai vu celle-là. Et là c'est fini. Regardez-moi ça. Daisen Sekai. Non. Oh, en full RP les gars. Oh, le doubleur professionnel. Non, il est à genoux. C'est terminé pour toi, My Game. Ripindra, il va t'embarquer avec à l'aide de son portail. Allez, les gars, il va descendre dans le sol. Et là, ciao, bye. Repas à la Mister Captain at the Green Zone. Ok, j'ai reçu un mail, un message provenant de King Redhead, aka My Game. Let's go. Il m'a envoyé un message. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon avis, il dit ce mental message. Ok, c'est un message. Ok, j'ai compris. Ok, on a besoin d'aide, My Game, Owner. Ok, donc faut que j'aille battre Ripindra en C3. Tu sais quoi? Je vais... Aïe, attends, je suis en train de tomber dans l'eau. Je vais aller le battre pour toi, c'est parti. Téléportation en C3, ça part directement. On y arrive pour la première fois, les gars. Nous y sommes. Oh là là, oh le badge qui est débloqué. Oh là là, la C3. Je suis arrivé, let's go. Encore beaucoup de chemin, il me reste à parcourir. Mais au moins, le principal, c'est qu'on a réussi à y arriver. Et les gars, on arrive au terme de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour le prochain épisode et le dernier pour l'aventure dans la troisième mer, la mer la plus difficile de Blox Free à l'aide de mon Kitsune. C'était Serbe. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je fais des bisous à tous. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. À la fois prochaine. Bye bye.